Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon dans une vidéo extraordinaire. Oui, extraordinaire. Regardez l'écran. Vous voyez ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Et ici, on voit une femme et un homme. Mais quel est le problème avec eux? C'est étrange. Et qu'est-ce qu'on voit par là? On voit un jeune homme comme vous et moi qui a un conseil à nous donner par rapport à ce qu'il faut faire. Et oui, et oui, et oui, et oui. Ce qu'il faut faire quand on veut réussir. Il va nous parler des femmes qui mettent la vie des gens en retard. Les femmes qui mettent la vie des gens en retard. Et quels sont les genres de femmes que normalement vous devriez comprendre si vous en avez besoin hein, pour pouvoir avancer dans la vie et réaliser vos projets. Si ces femmes n'ont pas dans le cadre de ce qu'il va nous dire ici, c'est qu'elles ne feront pas votre affaire. Bon, ok, assez bavardé. Écoutons-le pour en savoir plus. Un homme qui a des objectifs à atteindre ne doit pas marcher avec une femme qui a toujours faim. Une femme qui veut toujours, une femme qui veut toujours les cadeaux, une femme qui veut toujours les belles choses, une femme qui veut toujours, toujours, non. Un homme qui doit atteindre des objectifs doit avoir une femme. Et parfois se prive aussi hein, de toutes ces choses-là, qui doit apprendre à avoir faim, qui doit apprendre à patienter, qui doit apprendre à comprendre que la vie, là, c'est pas tous les jours on doit manger. Souvent, là, et on a faim. Mais comme l'argent qui est dans nos poches, là, on doit prendre pour réaliser le projet qui va nous permettre d'être heureux demain, là. On garde ça. Souvent, là, on voit habit qui est joli là. On voit chaussures qui est joli là. On voit téléphone qui est joli là. On laisse. Parce qu'on sait que demain, là, on doit vivre heureux. Donc, on prend ça, on met dans le projet et puis demain, là, ça produit. Mais une femme qui veut toujours, qui veut toujours, qui ne pense pas à demain, qui ne pense qu'à aujourd'hui, si tu prends une telle femme, ça mettra ta vie en retard. Bonne journée. Il dit que si vous prenez une telle femme, ça mettra votre vie en retard. Écoutons-le encore. Un homme qui a des objectifs à atteindre ne doit pas marcher avec une femme qui a toujours faim. Une femme qui veut toujours. Une femme qui veut toujours les cadeaux. Une femme qui veut toujours les belles choses. Une femme qui veut toujours, toujours, non. Un homme qui doit atteindre des objectifs doit avoir une femme. Qui parfois se prive aussi hein, de toutes ces choses-là. Qui doit apprendre à avoir faim. Qui doit apprendre à patienter. Qui doit apprendre à comprendre que la vie, là, c'est pas tous les jours on doit manger. Souvent, là, et on a faim. Mais comme l'argent qui est dans nos poches, là, on doit prendre pour réaliser le projet qui va nous permettre d'être heureux demain, là, on garde ça. Souvent, là, on voit habit qui est joli, là. On voit chaussures qui est joli, là. On voit téléphone qui est joli, là. On laisse. Parce qu'on sait que demain, là, on doit vivre heureux. Donc, on prend ça, on met dans le projet et puis demain, là, ça produit. Mais une femme qui veut toujours, qui ne pense pas à demain, qui ne pense qu'à aujourd'hui, si tu prends une telle femme, ça mettra ta vie en retard. Bonne journée. Bien. Vous avez entendu ce conseil, hein? Vous avez entendu ce qu'il a dit. Que pouvez-vous dire de cela? En tout cas, ce sont de très bons conseils. Vraiment, c'est bien. Félicitations. Vraiment, c'est très bien. Quand vous voulez réussir, va falloir vraiment faire de bons choix dans la vie. Il a dit beaucoup de choses. Tout ce qu'il a dit, vraiment, c'est extraordinaire. Mais la question, c'est où vas-tu trouver une telle femme à l'aise là? Où vas-tu trouver une bonne femme comme ça? En fait, une femme comme tu veux à l'aise là. Ça, je te l'ai dit. Moi, j'ai cru que les filles de nos jours étaient intelligentes. J'ai pris une fille. Il dit, oh, si tu fais bien, peut-être tu seras ma femme demain. Et pour moi, ça sera une fille avec qui je vais évoluer, travailler, souffrir et puis réussir ma vie. Mais là, j'ai compris que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Les idées des hommes ne sont pas les idées
tes dieux. Et la vie a changé, les gens sont devenus bizarres. Les femmes d'aujourd'hui ne sont plus comme autant d'avant. Autant d'avant. La plupart, elles veulent la facilité. La plupart ne veulent pas travailler. La plupart comptent sur leur corps. Quand vous venez vers elles, elles vous imposent des choses. Parfois même là. Certaines parmi elles sont des sorcières. Elles utilisent le pouvoir de la sorcellerie contre vous. Toi, tu veux réussir. Si elle est une sorcière, elle va pas te permettre que tu réussisses. Hein? Ça, je te l'ai dit. Le problème avec ça, c'est que ce sont des sorcières d'abord. La première chose, si tu veux vraiment marcher avec une femme, la première chose à savoir, c'est de chercher à savoir si c'est une sorcière ou pas. Est-ce qu'elle a un esprit de la sorcellerie? Si tu lui poses cette question, elle va te mentir. Elle ne va pas te dire la vérité. Toi-même, il faut chercher à savoir ça par toi-même. Si tu as trouvé une bonne femme qui n'a pas la sorcellerie, tout ce que tu vas lui dire, elle va mettre cela en application. Mais si tu as trouvé une femme qui a laissé la sorcellerie, tout ce que tu vas lui dire, mon frère, ça va entrer dans ses oreilles. Elle va dire, hey, c'est vrai, vraiment, tu as raison. Hein. Mais quand elle va s'endormir, elle va se réveiller le matin. Elle va faire le contraire de tout ce que toi, tu veux dans ta vie. Va faire le contraire. Tu vas pas supporter. Tu vas finir par la libérer. Tu vas finir par lui dire, bon, c'est bon, ça suffit. Tu veux réussir, tu veux vraiment te concentrer. Tu veux être concentré. Et là où tu dis que tu veux être concentré, c'est là maintenant qu'elle va commencer sa sorcellerie contre toi. Moi, je vous le dis ouvertement. Je vais vous le dire direct. Mes frères et sœurs, si vous n'avez rien, ne cherchez pas femme. Vivez seul, tranquille dans vos coins et ayez les yeux fixés sur vos objectifs. Sinon, si vous voulez dire que vous allez prendre une copine pour mettre à côté de vous et puis avancer avec elle petit à petit, jambes à dos de galère, vraiment, la seule femme qui peut vous aider à faire ça, c'est une femme qui a le Saint-Esprit et qui a la crainte de Dieu. Sinon, celles que je vois dehors là, elles ne peuvent pas vous aider à faire ça. Donc, moi, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, que je pourrais vous donner juste là, mes frères et sœurs, réussissez d'abord avant de penser à chercher femme. Réussissez d'abord, faites-vous des milliards, faites-vous beaucoup d'argent, réalisez vos projets avant de dire que, ok, j'ai réalisé mes projets, j'ai maintenant tout, je veux une femme. Je vous assure, hein? Sinon, si vous voulez commencer du bas pour monter là, rares seront les femmes qui seront prêtes à vous aider, à vous accompagner. Aujourd'hui là, les réalités sont là. On nous dit que la plupart des femmes qui sont devenues riches refusent de se mettre avec un homme pauvre. Elles refusent même d'aider un gars qui est pauvre à devenir quelqu'un d'aimé. Qu'est-ce que c'est? Elle refuse d'épouser un homme pauvre. Elle est riche, mais elle refuse quand même d'épouser un homme pauvre, d'aider un homme pauvre à monter. Alors que nous, les hommes, on prend les filles qui n'ont rien. Et on les aide. Celles qui veulent réussir, réussissent. Celles qui ne veulent pas réussir, elles gaspillent notre argent. Mais qu'est-ce que vous faites d'aller faire? C'est à vous de choisir. Tout ça là, pour moi, c'est trop de bavardage. Soyez célibataire. Mais ne soyez pas célibataire pour être célibataire. Soyez célibataire parce que vous avez un objectif. Accomplissez toutes vos missions. Réalisez tous vos objectifs. Une fois que vous allez devenir riche, très riche, vous n'allez même pas chercher femme. Ce sont tellement qui vont courir pour venir vers vous. Est-ce que vous aurez besoin de faire des efforts? Elle va même venir frapper à votre porte. Bonjour. Vraiment, on a envie de faire votre connaissance. Tom t'a dit, ah, tu as envie de faire la connaissance de qui? Tu me connais où? Elle a dit, c'est vrai, je ne vous connais pas, mais je vous ai vu une fois. Vous me plaisez, s'il vous plaît, veuillez prendre mon numéro. Une femme qui est un garçon. Si tu n'as jamais vu ça,
faut réussir seulement, tu vas voir. Donc, enlevez vos... Moi, je vous conseille, hein, sérieusement, si vous voulez réussir, enlevez vos pieds dans l'affaire de Goïka. Concentrez-vous sur vos affaires. Concentrez-vous sur vos projets. Réussissez seul avec Dieu. Que seul Dieu soit avec vous dans cette réussite-là, dans ce chemin qui va vous mener à la réussite ou encore à la réalisation de vos projets. Sinon, si ça fait des coups là, vraiment, moi je ne vous conseille pas. Allez là. Avec beaucoup de filles sorcières qui sont dehors, les jeunes femmes sorcières. J'ai dit, il y a voir trop de sorcières dehors. Si vous voyez que moi, je n'ai pas de copine, c'est à cause de tout ça. Parce que ce qu'il a dit là, hein, j'ai essayé d'être avec une copine et essayer de développer. J'ai essayé. Elles ont échoué. Elles ont failli même me mettre même dans les problèmes. Et je vous assure, hein, elles toutes, quand même, si 10 copines, si 10 goûts tu as eu, elles toutes sont pareilles. Tu fais comment? Tu restes seul. C'est pourquoi je suis seul. Je me concentre sur mes projets, sur ce que je veux. Allez là, une chose très puissante que je veux. Oui, je cherche ça même. Une fois que j'ai eu ça, je vais continuer à avancer. Maintenant, si Dieu, quand Dieu va permettre que je devienne vraiment très riche, si je veux une femme maintenant, soit je vais chercher une femme de mon niveau, ou bien si je veux vraiment mettre tout le monde dans le bateau, pauvre ou bien riche, ou bien quoi. Je vais me faire le pauvre. Je vais m'habiller comme un fou même. Celle qui va m'accepter tel que je suis, c'est celle-là, elle va marcher. Parce que je dis, l'hypocrisie a pris le cœur des gens. L'homme n'est pas l'homme, mais il aime l'argent de l'homme. L'homme n'est pas l'homme, mais il aime l'âme de l'homme. Frères et sœurs, concentrez-vous sur le bara. Concentrez-vous sur le bara. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Laissez le goût à côté. Laissez ça.